côté, le Premier ministre Guy Conny invite les gangs armés à déposer les armes et à se rendre à la justice. À quoi peut-on s'attendre? Parlez, monsieur, parlez. Comment? Parlez. Logo. Parlez. Logo. Logo. Mon cher, vous arrivez? Ouais, moi-même, je dis à la. Quand je me parle à voilà là, nous sommes vaillants soldats. Ah, vous voyez, je me dis à la. Je connais un foc. Bon temps qui prend. Vous écoutez. Pour planifier. Pour. Pour qu'il y ait le résultat qu'il faut. Très bien. Je vais le droite, le connaissez. Et maintenant, on va parler avec l'Américain. Allez, allez, allez. Et maintenant, on va parler avec l'Américain. Je vais demander pour l'ambassade américaine. Parce que nous m'attendons de passer. Bien branché. Parlez, parlez. Nous mettons les Haïtiens dans notre tête. Maintenant, on va parler avec nous. Parlez. Je parle avec l'Américain. Je parle avec les Canadiens. Je parle avec les Nations Unies. Moi-même, personnellement. Maintenant, là. Mais nous m'attendons pour nous entendre. Jodi à la. Sa population haïtienne n'a vive là. Nous chitons passer moun nan bêtise contre nous. Nous fin armé un paquet de jeunes garçons, jeunes femmes, en négatif populaire. Je dis à nous dit nous pour craser Bouddha. Naturellement, c'est un choix. On est par exemple qui choisit que mes âmes nommées. Yeah. Ce choix le fait. Il yeah. fait choix cimetière. D'ailleurs, ils l'ont démontré à travers leur niveau de fonctionnement. Ils ont crasé l'église. Ils ont crasé l'école. Ils ont crasé la prison. Ils ont pas crasé le cimetière au Colésir. Très bien. Donc ça veut dire que ils ont d'accord pour entrer dans le cimetière. Deux pieds devant. Mais là, je parle avec l'international là matin. Le Colésir. Je voyage dans pile pays à travers le monde. Je suis une petite soeurette. Maman, papa travaillent, ils aident nous pour l'éducation. Nous sommes fermes. Même les deux fois, nous n'avons pas qu'à manger, mais ça nous vient pour manger, nous sommes satisfaits. Vous connaissez international, là, les amis qui ont fait, les amis passés, sortis des États-Unis d'Amérique. Et je crois que Kalachnikov, là, c'est une fabrication israélienne. Kalachnikov. Kalachnikov. C'est pas russe. Russe. Les amis, ça, AK-47. Ok. Il y a des amis qui fabrication russe. Yo passé par République Dominicaine. Juste d'origine parce que Yougoslavie. Alors Yougoslavie. Super, mais on petit précision tout petit. Kalachnikov là c'est invention russe li. Invention russe. Mais on connaît Israël et avec la Russie, c'est pas clair donc c'est le même cas. Mais les armes ça parce que les armes ça a tiré 762 qui percé blindé niveau 4. Et il y a monde qui mouri dans blindé niveau 4. Et ça, ça a refusé. Majorité gang qui l'a dans le pays, yo gagné zam qui tire avec 762 loukou désir. Oui, c'est vrai. En grande majorité. Donc, c'est bon, c'est mon petit dossier petit là. Voilà. Alors, maintenant, nous finir là. Oui, Esaü. Ok, police nationale là, majorité zam yo gagné. C'est 556. C'est 556. Qui pas tiré à même portée avec zam bandi yo gagné. Pour la police nationale faire acquisition ZAM, c'est un bataille pour souple. Ce matin, je veux parler avec les blancs. Mais je me balance tête avec nous. Quand on voyage à la caillou, il y a visa, on voyage à la caillou, on couteau asie nous, ben moi. On voyage à la caillou. Mais ma frère est avec nous. Ma hypocrisie, n'est qu'à propos, oui, ma dans l'Occident, ma gaille, ben, je sais la vaille, pourtant. Hypocrite. 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 Ma dans la doit ça, moi-même. Mon discours est franc. Ce matin, je veux parler franc avec les Américains, les Français, les Canadiens. Et ce samba dit là, je voulais pour chaque monde dans le pays, comprendre ce que je dis. Et je demande à chaque Haïtien, sous ces vraiment petites dessalines, pas fake petites dessalines, pas faux petites dessalines, pas coup de petites dessalines. Sous ces petites dessalines, vrai, ou qu'on guerrier, ou voulait entrer dans le pays où, moun nan diaspora yo. Pas moun ka paye voye zami sinon, qui nan kok, qui besoin faire gros l'argent, ka voye zami sinon, pas nan diaspora, gon bon blofe. Nous connaissons les Américains, les Français, les Canadiens, ils ont cette possibilité d'aider Haïti.
mais on pas fait. C'est clair. Maintenant, c'est clair. Nos dirigeants, je vais parler avec les dirigeants également. Nous connaissons. Qui ça fait? Autorité, yo. Pas qu'à un grand garçon, une femme qui prend responsabilité pays, même avec Ibrahim Traoré, qui paraît qui dit bon, Américain, pas c'est une bêtise. Monsieur Américain, on n'a pas c'est une bêtise. Et je me croise avec l'ambassadeur américain. Je me croise avec pour me parler avec lui. J'ai nagé. Face pour face, tout quoi. Mesure possibilité ça. Pour me voir avec l'ambassadeur américain. Mesure voir avant, monsieur ambassadeur. Ou mettez vous invitation pour me parler avant. Je voulais pas la voir matin. Maintenant, hypocrisie ça est vous-même. Monsieur, je suis dans le même Melouko. Je suis dans le même Melouko. Je suis quand même gafou. Je ne peux pas monter parce que je ne peux pas avoir une force proportionnelle pour me faire. Et si je peux composer avec vous, tu as entendu des CPJ arrêter. Sous base que je suis gang. Je ne peux pas composer avec vous, je ne peux pas monter la caméra. Donc, moi, prisonnier en deux pays. Moi, je voulais. Américain, je ne vais pas rien avec nous sur une base quelconque. Même si j'ai le seul problème avec nous, parce que j'ai toute la famille États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique offrent quelque chose, à savoir la formation sur le plan policier. Je ne vais pas rien vouloir avec Américain. Mais, je vais vouloir avec eux, par rapport au niveau de fonctionnement avec le pays. Et puis, je ne vais pas vouloir avec eux, parce que eux-mêmes, c'est affaire pays à régler. Ils ne font que défendre leurs intérêts. Parce que, les bouddhis, on paye, c'est défense, paye pour le défendre. Mais là, on est là, on connaît un pile nègre dans le pouvoir qui n'a pas de couille, qui n'a pas de sentiment d'appartenance, qui n'a pas décidé, qui peut, pour ne pas mettre de visa, pour ne pas bloquer, pour ne pas rentrer la caille. Moi-même, matin, je parle avec Blanc, moi-même. Et je demande Blanc, invitez-moi à la caille, pour me parler avec elle. J'ai mangé. Américain va parler avec nous là pendant que nous avons débat là. Non. Moi-même, je parle avec Américain avec toute autorité en deux pays. Qui va prendre responsabilité. On avance. Mais nous comprenons. Nous traitons un pays à part un pauvre. Nous connaissons qui ça Haïti besoin pour combattre gang. Si vraiment nous avons volonté pour aider pour combattre gang. Parce que quand je parle avec le directeur général de la police nationale, que j'ai toujours cette possibilité de parler avec le directeur général, je ne sais pas si je m'a pas rapporté exactement ça conversation que nous avons, mais c'est grave. Et solution pays a pas pour aujourd'hui à l'oukou désir. Comprenez bien ça me dit oui? Parce que directeur général de la police a vient jouer nous police crasé cabinet de blousaille net matériel la police pas gagné moyen on s'est bail ou équipe on a appelé il a dit qui est intervention faite pendant ce temps. Est-ce qu'on connaît l'oukou désir? Tout ça Amérique ou tap di ap voye avion vin la bay gade bay Boudani ni Louko. Ay sérieux. Tu dis là. Ha? Louko. Pa gen rien et ça que gang pa bay même. Louko. Pa gen rien sérieux. Et chaque fois pa gen que l'opération bay gade bay ka fait. Pour qui ça Amérique ou pa offri toi hélicoptère? Pour qui ça et Salvador te offrir l'hélicoptère et puis l'autre type blanc passe en bas Albaï et Salvador pression pour avoir hélicoptère. Pour qui ça Corée du Sud offrir 6 hélicoptères à pays Kenya pour venir bail sécurité pour aider dans le cadre d'opération et cap fait yo gagne nèg dans l'ONU qui bail pression à pays Kenya pour pas voler hélicoptère venir là. Maintenant, la Jamaïque, yo di a bay la Jamaïque yon gren hélicoptère. Jusqu'à présent, yo fait connaître que fok autorité haïtienne yo fait demande directement. Monsieur les autorités haïtiennes, si vraiment nous gen volonté, pas la blanc. Nous connaissons nous peuple blanc. De toute façon, donc les gars ont une certaine responsabilité. Ok. Tout soit dit là. Oui, monsieur, parce que l'échec du gouvernement. L'échec des autorités haïtiennes à travers les gangs, ça va passer là, c'est l'échec de tout le pays. Messieurs, Américains, Canadiens, Français, et nous qui gagnons tout le bail dans nous là, si nous pas dans l'hypocrisie, aidez le pays. Si nous pas dans l'hypocrisie, sinon, dans le jour qui vient là, nous allons devant chaque ambassade, et pour me faire sam de faire. Moi-même, mes amis, ça. Nous allons devant chaque ambassade, pour me faire ça me de faire à savoir
avec pas 4 mois dans même pour me dire nous soit nous quitter pays là soit nous quitter pays là soit nous quitter pays là ou bien quitter pays à diriger Charles de Gier diriger m'a parlé devant chaque ambassade ça me cite là haut ambassade américaine ambassade de France ambassade du Canada parce que vous avez les moyens à pouvoir aider Haïti à sortir de ce bourbier. J'en peux plus, le quoi désir. C'est mon cri ce matin. J'en peux plus. Mais pas capable de quoi? Mais pas capable de quoi, le quoi désir? Toi même seulement. Ah, Alors, faut que nous disions que monsieur et Martin Debagin pour recevoir le Premier ministre Gaï Koné très bientôt. Et dans les couloirs, des Nations Unies. Dans les couloirs des Nations Unies. Ok, Martin Debagin pour recevoir Gaï Koné très bientôt. En direct depuis les couloirs des Nations Unies. Dans l'occasion de la 27e Assemblée Générale des Nations Unies donc, en septembre, que ce soit en direct donc, au studio donc, de. Radio Éclair. Matin, m'attendé et Premier ministre Gaï Koné sur Radio Caraïbe. Alors bien entendu, Gaï Koné comme Premier ministre, monsieur clair son bagaille. Maintenant, faut nous analyser ça le dire. Est-ce que quelque part, parce que monsieur pose la question savoir et Johnny avec guerrier, est-ce que l'a négocié avec gang? Mais Premier ministre Andjou Baye qui clair. L'invite tout nèg gangonette. Si vous senti que vous inconfortable dans le moment, si vous senti que vous bouquez, vous faites injustice à la société, si vous senti que le arrivé, vous demandez pardon à la société, vous avez une bagaille que vous faire, c'est remettre Zamio et puis aller rendre tête à la justice. Et le clair, il dit que pendant la prison, ou car est-il pays? Moi-même, je pensais que c'est une porte que Gaï Koné ouvrit à M. Gagnon pour un certain dialogue. Cependant, il conditionnait le dialogue là. Par contre, il me l'a remis. Elle dit que il va y avoir un dialogue avec quelque chose avec le chef de gang, mais la négociation avoir l'onde de prison. L'offre de mettre Zamio, l'offre de mettre tête ou la justice. Laisse le cafou sur ta balle avant, savoir, garder qui Jean lui-même comme Premier ministre, ok, lui qui permettre que, en fait, pour capable de passer un bon. Pour qu'il y ait une bonne vie en prison. Ok? Elle était claire. Et c'est parce que c'est même approche où Negas Abrival là comme ancien président. Il dit si nous ne pouvons pas faire ça, si nous ne pouvons pas apporter Zamio à l'État, si nous ne pouvons pas rendre tête nous à la justice, qu'on y a c'est l'État. Qui va le marché, vient prendre Zam dans la main. Et le ça, tout bagaille possible, tout bagaille qui arrive. Par contre, c'est une détente de déclaration maintenant. Vous avez dit que, Gaï Koné clair sur la question, pour négocier avec gang, il pose des conditions. Il faut que monsieur remette l'État Zam qui est dans la main. Et il faut qu'elle remette tête à la justice. Le ça, il a considéré, il a négocier avec eux, ou du moins dialoguer avec eux. D'ailleurs, il dit clairement que pendant qu'ils sont en prison, ils ont utilisé la société. Mais il dit que si vous ne voulez pas faire ça, ok, si vous ne voulez pas mettre Zamio, c'est l'État qu'on a qui va le marché pour prendre Zamio dans les mains. Et là, ça, tout le monde possible parce que des gens qui mourir et de fait, pas d'opération d'envergure pour côté que pas des gens qui mourir. Maintenant, on nous garde la question. Et puis je dis à Joab, dit là, Isaïe César, Haïti est pris au piège dans la question insécurité. Parce que madame, monsieur, ça qui est là comme situation, il faut que je dise tout que Zanana n'a pas pour Suzanne. Même si Suzanne n'a pas pour Zanana, tout. Monsieur Gagnon,
zam ki nan men yo la nan moment a parlé à la. Même monsieur Kenya ou pas gen zam ça non. Même monsieur Kenya ou pas gen zam ça non. Voir pour la police nationale d'Haïti. Également l'armée. Jodi la Esaü. C'était une volonté réelle du côté des États-Unis d'Amérique pour résoudre le problème insécurité dans le pays, la question gang dans le pays. Ça va résoudre dans un mois. Avec justement, yon quantité de Marines. Haïti n'a pas besoin de pile Marines pour le problème ça résoudre, selon certains experts, la question l'armée, la question sécurité. Ok? Donc, si les États-Unis voulaient que le problème de sécurité résout dans le pays, ils t'ont résout, madame, monsieur. Claire. Donc, gon politique qu'a fait avec Haïti, malheureusement, nous-mêmes Haïtiens, nous avons cerné politique ça. Probablement, que dans qui cerné, c'est les grands Manitou, ok, de la politique, ok, qui cerné, mais c'est comme si nous regardons que eux-mêmes, ils viennent en cours, c'est conzé, c'est esclave blanc. Il n'y a pas qu'à dire États-Unis, ça y a bien plus là dans yeux. Au contraire, il préférait plier donc il a cherché faveur donc États-Unis d'Amérique. OK? Mais je dis à madame monsieur, écoutez, pas rien volonté réelle. Il y a madame Linda Thomas Greenville qui a accordé une interview donc à Miami Herald. Côté de l'insister sur sanction. Maintenant, l'intervention de M. Gaïkoni dans la presse, je dis, hein, donc elle dit que MDD, il y a une émission à débat, sanction mal tournée. Parce que selon Mme Greenfield, les États-Unis rendent compte que sanction au marché, l'hypothèse résultat, l'hypothèse fuit, de rédiger ou pas loin dans les jours à venir, donc Nations Unies va publier donc liste de monde qui pratiquement donc sous sanction, au sujet depuis novembre 2023. Il était annoncé, c'était pour le 13 novembre 2023. Depuis là, ça, nous ne jamais donner question de sanctions, pratiquement. Donc maintenant, pour question insécurité, hein, donc sanctions pour l'accompagner, mesures. Donc ceci dit qui ça? Et ça nous a parlé hier là, nous t'a parlé avant hier là. L'un des dit que qui sont les patrons, ok, de l'insécurité et de la contrebande, madame, monsieur, donc en Haïti. Donc il a dit que blanc qu'on est, je dis à qui met qui est insécurité dans le pays. Hein. Blanc qu'on est, international là qu'on est, qui met qui est insécurité à partir donc, madame, monsieur, donc, dans le pays. Maintenant, n'a pas arrêté de nous, ouais. Donc, sanction, donc, comment il va venir, qui est-ce qui va sous sanction à partir donc, pour ça. Mais parce que je dis, donc, Gaï Koni a laissé une porte ouverte, ok, aux gangs armés, côté que lui offre, puis remettre tête à la justice, également remettre à l'État haïtien, ça a gagné comme ça, partir dans le pays. Maintenant, par ce geste, probablement, donc, qu'a gagné des négociations, qu'a gagné une entente avec eux pendant qu'ils sont en prison. Et lui, il reconfirme que si ils n'ont pas fait ça, l'État qu'on y a pas le contraire pour l'État à chercher des armes qui n'ont pas eu, et c'est lui qui peut mener, donc, affrontement, c'est lui qui peut mener l'opération. Mais il y a un autre point à connaître, c'est que dans l'intervention de Gaïkoni, tout est clair, il ne suffit pas seulement de récupérer les territoires perdus, mais il faut également rétablir l'autorité de l'État. Pour ça, Mbaba nous dit, autorité de l'État, il n'y a pas seulement un rapport avec la question d'âme. Yes. Rétablir l'autorité de l'État, il n'y a pas seulement un rapport avec la question d'âme. Ok? Au sein de l'administration même de l'État. Ok? Acte de corruption qui gagne, volet qui gagne dans l'État, yo. Comment Gaï Koni peut identifier d'abord et puis freiner yo, pour empêcher que qu'on continue à écraser l'État. Ok? Ça dit clair. Moun qui dans l'État, qui parle travail, qui a touché. Chaque zombie qui dans l'État, donc tout ça faut faire partie de paquet là, en tout cas. Donc moi-même, bah, est, donc c'est on doit, c'est notre service là, bah, qu'on est nous-mêmes et parlons pour nous-mêmes. Alors, parlant des sanctions, Louko Désir, est-ce qu'on est majorité nèg qui est sanction contre toi? Yo, premier ça au fait, yo retire toute sacté sous nos yo. Voyez sous nos prénoms ou bien famille. Ça a pris un peu. Dans le moment là, il a commencé à retracer. Dans le moment là, il a commencé à retracer. Il a gardé dans quelle époque il a fait retracer. La justice crasée. Yeah. Donc, sanction qui t'a supposé accompagner de prise de sanction de l'État haïtien, de la justice haïtienne. Très bien. Très bien. Il y a aucun de justice.
Alors, moi-même, sous premier point ça, pour bagay m'a dit, il ne revient pas au premier ministre Garry Conille de déterminer si bandi au bouquet ou pas. Parce que si yo te bouquet, yo même encore t'a fait retrait. Et puis, dit moun yo, invite moun yo déposer zam, ça m'pa prend. M'pa wèl non discours qui allait dans le sens positif parce que depuis histoire banditisme en Haïti, beaucoup j'aime dans des gros bandits qui remettent zam kal rend tête la justice. Beaucoup j'aime moi ça, beaucoup j'aime dans alors bandi remet zam, bandi remet zam. Qui est soit parler Isaïe? Bandi remet zam. T'es gagné et commission CNDDR, on dit CNDDR, Préval, première version. OK. Oui. Et Mario Desol. Avec Mario Desol. Monsieur Terry Medzam, qui a le thème de Michel. Ah, oui, même. T'es décidé. Allez, on Terry Medzam, maintenant qu'on est là, gagne un talent en prison. Non, mais Esaïe. Allez, t'as le look, une question pour Esaïe. Sous Préval, sous Préval, monsieur Terry Medzam, t'es quand même, je crois que Assad Wall, si t'es dans la commission, et pareil. Sous Préval, monsieur Terry Medzam. Monsieur. Parce que Préval te dit que c'est deux cas. C'est ou bien Terry Medzam, ou bien ou en prison, ou bien ou en cimetière. C'est ça que tu as mené opération ministre en dans cité soleil monsieur pour te gang qui te gagne dans cité soleil pas de danger monsieur m'a prédit encore on peut connait dans histoire banditisme en Haïti j'aime gon bandi là m'a parlé de bandi m'a parlé de petit soldat des bandi et qui remet zam qui a rendre tête la justice ou dit tu as l'air ça on me dit que tu parles ou dit tu remet zam ce qui ça vient faire qu'en après oui tu viens et la police avec même Mario de soldat tu viens avec tolérance zéro opération zéro tolérance. Mais oui, c'est pas décidé. Et puis justement, donc c'est seule façon pour bandir et mettre ça, monsieur. C'est par la force. Nous pas battre tête nous mentir avec ça. C'est par la force. C'est par la force. Mais quand même, écoutez. Pas oublier, même dans la guerre qu'on décrive, deux parties qui ont fait guerre, qu'on décrive, ils ont campé. OK? Et puis ils ont capable de définir. Donc, qui j'en peux gourmet. Écoutez. Une fenêtre qui ouvre par le premier ministre pour gagner au venu mettre zam même si que nous connaît que le pape j'aime venir mettre zam d'où ou du moins si que là donc tu as pris initiative venir mettre zam ou mais connaît que c'est vieux amouillé vieux bagage pas besoin on vieux canot pas besoin et pas le mettre à la police mais bon zinzinio il va cacher le dans le cimetière d'accord avec Oulouko quand même. Mais quand même la fenêtre qui est ouverte, il faut quand même le premier ministre de la position ça, pour ouvrir la fenêtre là, pour dire venez nous mettre zam, rendre tête nous la justice, ok? Et puis qu'on y a, yo capable utile pays là, même si qu'on est en prison. Ça veut dire ça. Là, le zon pas qu'elle bagaille. Et que yo capable utile pays là, même si qu'on est en prison. Ça veut dire que plus utile pays là pendant qu'on est en prison, donc c'est sûr qu'il va faire partie d'un programme. OK que yo même yo va gagner même mise sur programme là il va gagner droit de regard donc sur programme là probablement sous casser la caillou probablement donc pour famille mais quand même le premier pas le premier ministre a fait et clair sur question hein? Si yo même pas remettre zam connait l'état la police la force multinationale prend le marché prend zam dans la main yo bon bien que moi même pas comprendre affaire là force multinationale ça pour moi même jusqu'à présent son blague parce que Kenya bagarre là puis négocier c'est flané. En tout cas, Louko, d'accord ensemble avec vous. Cependant, j'ai deux bagages m'a dit par rapport avec ce dire. Et d'accord avec vous, même dans la guerre, faut gagner un moment de pause, faut qu'on halte là pour négocier la paix. Mais cependant, il pas qu'à comprendre ou bien comprendre mal que c'est Garry Conille qui mandé qui fait demande ça parce que Garry Conille c'est l'État. C'est le pouvoir. Par contre, c'est lui que, au contraire, c'est gagné pour t'amender ça parce que t'as senti une position de faiblesse. Voilà. C'est gagné pour t'amender ça. Pas qu'à comprendre que c'est Garry Conille qui m'a dit. Comment on comprend Baptiste? Voilà. Comment c'est Garry Conille, Samuel? Comment c'est Garry Conille qui ouvert porte là? Garry Conille a deux chapeaux, frère. Matin de Garry Conille a deux chapeaux. Comment fait c'est ouvert porte là? Deux chapeaux. C'est le premier ministre. Pour moi, il est ministre de l'Intérieur. Justement. Collectivité territoriale. Il est chef CSPN dans tout. Donc c'est moi-même qui ne peux comprendre, si c'est l'État qui a maté négio vient niveau côté. Yo bouquet et puis yo mandé voilà. Pour la pour yo mandé négocier pareil pour yo parler même pour déposer les armes. C'est pas Garry Conille pour t'appeler le mandé déposer les armes.
C'est ça que je vais comprendre. Et puis pour me tourner sur. Avant de tourner sur la question, dans le premier point. Moi-même, pour ce côté nous est là, de mon point de vue, c'est un bagage qui planifié il y a de cela une vingtaine d'années depuis le retour de Jean-Bertrand Aristide de l'exil. Bon, m'expliquer. Pas de aucun pays dans le monde là. Ou pas de aucun État qui souverain. C'est-à-dire grand monde tête li qui pas de fonds armés. On va parler de la police, on va parler là mais qui là pour défendre territoire. Et me garantis monsieur, me pas dit le pas t'a fait non, mais pour ta gagne là mais d'Haïti qui fonctionnel pour zame t'a rentrer dans douane comme ça, il t'a difficile. Et son projet qui commençait exécuter depuis le retour de GBTS. Donc le premier bagarre il fait, il démobiliser les forces armées d'Haïti. Puis longtemps que ça d'abord mon gars. Bon, moi rivé là, gagne monde qui allait au-delà de 94 en 86. Donc, nous même la partie de la démobilisation des forces armées. Il y a toujours eu un plan pour Haïti. OK, depuis dans échouer les duvaliers. Donc qui était qu'on est en dictature pratiquement dans le pays. Et depuis là ça a un plan sur Haïti. Malheureusement, nous pas comprendre ni et puis nous entrer la donne tête baissée. Parce que démolition l'armée, démobilisation l'armée. Ça fait partie de plan. OK, démobilisation l'armée, ça fait partie de plan. Et je dis à ça nous là comme résultat à savoir insécurité. Ok, jusqu'à ce que force multinationale qui a prêté dans le pays, ça fait partie de plan. Pas oublier, je dis, Haïti, son pays qui est pratiquement sous tutelle. Donc, c'est pas comme si son hasard, non? Que je dis, pays a gagné, il y a un conseil présidentiel avec nous. Yeah. C'est pas un hasard. Yeah. Non? Exactement. Yeah. Ok? Et puis. C'est pas un hasard, non? Et puis, autre chose, Louko Désir, et. À quoi peut-on s'attendre? Moi-même, je dirais à rien. Raison parce que les Italiens se tapent différence entre ZAM qui nomme bandit avec ZAM qui nomme la police. Il fait différence sur qualité ZAM et portée au tout. Faut qu'on dise nous la police a guère puis M14 ou 7.62 tout et au guère plus longue portée que AK-47. Mais pour ça, m'pas attendre à rien. Louko Désir. Je toujours dit là dans l'émission Matin Débat, si c'était pour force internationale, si c'était pour force militaire internationale, je dis à un pays qui est plus safe dans la région. Je vous dis encore, ça n'a vivre là, c'est un plan bien concocté, c'est un bagage bien monté, que, contrairement à ça, ils ont dit, et pas blanc non qui baille Zamio, mais plutôt c'est même cause, même haïtien, pareil nous, cause des causes qui n'ont pas combattu avec blanc, qui, et pas parce que, regardez, nous ne savons pas qui est exactement. Mais si nous regardons le profil de monde qui a fait des faits depuis des temps, nous avons essayé de idée de qui est-ce qui vient examiner, monsieur. Pour ça, de 86, ça date sur seul groupe monde qui toujours parlé dans les affaires politiques. Et pour qui ça, les élections, tout, il y a un groupe monde qui a allé dans le quartier populaire, côté examen, il y a un autre groupe monde qui n'a pas allé. Pour qui raison, conseil de business, les bagailles de tête, des business qui a chaviré, qui n'a pas chaviré. Nous pas égarés, mes amis. Non mais nous pas égarés. À quoi peut-on s'attendre? À rien, Louko. Parce que nous avons plusieurs forces militaires qui entrent dans le pays déjà. Si c'est des forces militaires, nous pas ta supposé là. Louko. Nous pas ta supposé là. Tant qu'on me dit là, bah il a tellement bien planifié. Louko, dans le pays dans la région, nous avons tellement de services secrets qui étaient au niveau. Dans le pays dans la région, et nous même, nous avons copié. Exemple là, Dominique. Justement, c'est nous qui avons copié. Et attends, Samuel, on une minute, et on va parler de Gounia là. Raison qui fait que, attendez, on a raison qui fait que États-Unis comprennent, il faut que l'armée panouan, l'armée d'Haïti, il faut qu'il écrase. Parce que, pas oublier que dans la Caraïbe, c'était la plus grande armée. Bon, voilà. Et dans la Caraïbe, c'était la plus grande armée. Et ils étaient peur pour Haïtiens, pour Haïti, Patvin. Envahi Caraïbes là. Et c'est pendant c'est après que l'armée a fini de démobiliser ou elle vient un projet Caraïbes comme là. Yeah. OK? Yeah. Que tout ça qu'a fait là, c'est pas comme si c'est pas un hasard, c'est malheureusement nous-mêmes qui a fait politique dans le pays là, nous pas aucune lecture. OK? Nous pas aucune lecture de état pays là, ou du moins de stacker les politiques pratiquement que la fin de pays là. Donc nous avons quelques monde qui a fait politique d'ailleurs. Et regardez la qualité de mon café politique. Yo. Ok? Qui va passer dans aucun négo politique? Qui, au matin, venant pour papier dans le ministère de la Justice, lui convient valise en main,
on vient sous l'écraser, et puis il prend la rue, ou t'en bon, il s'est chef parti politique. Après 3 mois, après 1 an, et vous avez un boulot machine, on tête bœuf, et puis mes politiques là. Donc malheureusement, c'est dans ça qu'on prend. Et c'est goumé pour capable de changer ça dans un moment. Effectivement, je veux dire, nous dans une situation, faut nous goumé, malheureusement, blanc, c'est international là qui mettait nous dans ça. Parce qu'il y a eu un plan, il y a eu un plan donc sur Haïti, il y a planifié pour nous. Nous d'accord. Comment tu as fait comprendre que je dis à des nègres qui qu'on a battu son maquillage qui dit eux-mêmes sous terre des salines, bleu pas qu'on doit piler terre pour ces mêmes nègres ça qui signent okay, pour force multinationale entre dans le pays. Madame, monsieur, de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Samuel, oui, Samuel. Oui, je t'ai parlé pour question l'armée d'Haïti qui était puissante à l'époque là. Gon c'est officier qui déclarait que corps de léopard qui était fondé, hein, c'était un projet pilote pour t'avoir un corps qui t'a servi un projet pour la CARICOM, pour la CARICOM en soi. Mm-hmm. C'est parce que l'armée d'Haïti était tellement puissante qu'il était choisi les Haïtiens pour fonder corps de léopard ça pour montrer nous. Bon, on va faire un bel rallye, on va aller plus grand, plus gros. En tant que gens américains, on dit un big picture sous qui raison qui fait nous pas droit en train de saga qu'on dit non bien deux américains venir pour nous. Au moins nous quand entendre nous quand attendre nous à sanction. Au moins quand attendre nous à sanction. Allez. Moins sanction c'est encore si magre parce que on va dire. Ukraine n'a gros la guerre avec la Russie. OK, nous pas le même problème avec Ukraine. Combien cob les États-Unis et l'Occident en général yo décaissé pour l'Ukraine louko tout auditeur capter de nous là 260 milliards euros ça m'a bon dernier chiffre qui sorti en avril mon côté gon l'autre qui était décaissé dernièrement te gagne une estimation que t'ai faite en 2015 qui t'ai montré que 50 milliards euros t'ai ca metté Haïti sur le développement qu'on y a imagino ça 260 milliards euros t'ai ca fait qu'on y a là imagino Haïti n'a problème ça l'a patogé depuis quelques années. Qui quantité cob yo ba Haiti? Mba kwel ko dépasse son bon 300 millions, mba fait estimation. Bien. Pour moutro l'ordre d'importance. En Ukraine, yo voye tout ça qui existe. Yo voye même des batteries anti-aériennes, chaque grain coûte 1.3 milliards de dollars. Pour kembe missile là aussi a voye. Ici même un hélicoptère pa ba qui 20 millions, 12 millions qui vis-à-vis, qui vis-à-vis rien. Justement, qu'est-ce ou gagner qui vous discutez vous? La américain toujours non politique pour affaiblir tout le monde qui est en face. C'est pas songe qui a cité ça, c'était Henry Kissinger qui est un gros stratège américain qui dit être ennemi des Américains, c'est dangereux. Être ami des Américains est fatal. L'Amérique pas des amis. Dans la guerre Iran-Irak, l'Amérique te bay tout deux camps yo zam. Les Irak pral gagner, li bay Iran. Les Iran pral gagner, li bay Irak zam. Pour affaiblir tous les deux parce que tous les deux te nan position pour devenir une grande puissance dans Moyen-Orient. Et gade yo kounya, gade Irak kounya, gade Iran kounya. Nous pral aller plus loin encore. L'Amérique armé les Talibans contre l'USSS. Ce n'est pas une crise économique qui cause l'USSS tomber. Je parle de l'Union Soviétique. C'était la guerre d'Afghanistan qui était la cause occasionnelle, mais qui a dit qui cause que l'USSS tomber. Pour moi, je fais râler ça pour nous, pour montrer nous que dans ça, il y a une politique là, dans la politique, il y a une politique pour bon juste assez pour nous patauger dans la merde que nous sommes. Pendant des années, ça ne pas jamais sorti pour nous toujours après Léo, monsieur le blanc, vin aider nous. Parce que, souvenez-vous de cette déclaration au lendemain de l'indépendance, laissez Haïti cuire dans son jus. Et, moi, Magalette, nous avons cherché une déclaration que Franco Delano Roosevelt, président des États-Unis, a déclaré sur Haïti. M'appelé pour nous. Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures. Et mettre les gens à chaussures en état de centre déchiré les uns les autres, c'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes.
Et même politique ça est toujours là sur Haïti depuis lors. Et peut-être samedi, m'a parlé de Franco de la Louisville. Alors faut que Samuel et ça c'est mon politique seulement. Et contre Haïti. Alors, son politique contre les nègres. Les nègres. Exactement. Mais déclare ça a été fait spécialement pour Haïti. Allez, pour Haïti. Regarde ce qui se passe pratiquement dans le cœur. En Afrique, exactement. C'est comme Dadou, il est écrit dans la Bible. Depuis que nous avons un monde noir, il n'y a pas de droit qu'on lit. Il n'y a pas de droit à l'éducation. Il n'y a pas de droit à la santé. Depuis que nous avons un noir, comme si il y a un ensemble de bagailles qui n'est pas fait pour lui. Et regardez la même illustration. Là, je montre une photo de Timoun. Yo montre qui gentil moun blanc est mais ti moun nèg là même dans dessin animé yo montre que Bouchi fait ton jean ça dit que c'est bon politique pour Haïti seulement. Malheureusement nous même en Haïti après l'indépendance après la bataille du 18 novembre 1803 OK nous entrons dans nos bamboches à partir du 1er janvier 1804 et jusqu'à présent nous dans bamboche ça parce que nous pas jamais chita pour planifier pays. Exact. Nous pas jamais chita pour dire OK Haïti a mais ça Haïti a doyé et fuck l'ichita son vision son base idéologique je dis les pays africains faut clair que les pays je dis il va mettre red l'occident c'est red africain on mettait soulever au compte il va mettre pépé exactement pépé vendre la caillou. OK donc c'est red africain que mettait donc faut l'ichita son base idéologique côté pour connait que avec conviction ça c'est pays pas où. Écoutez, dans l'histoire de la démobilisation de l'armée, l'armée d'Haïti, c'était l'armée la plus puissante de la Caraïbe à l'époque. Où est-ce que tu as passé au Chili avec Pinochet? Eh bien, qui s'est passé? Après l'indépendance, l'armée indigène, qui ça l'armée indigène défait? Ça a des salines défait. Où est-ce que c'est marché que des salines de marché libérer tout le peuple dans l'Amérique latine? Exactement. Donc, il faut comprendre que Haïti, l'histoire qu'a toujours répété et que si haïtien géota vinn calé yo ka haïtien te ka décider attaquer tout petit pays dans caribe prendre tout pays ça yo et malheureusement de saline pas faire parce que de saline a une capacité même si on voit que jodi à la France gagne des pays d'outre-mer la France gagne d'autres territoires tout côté haïti te une possibilité pour le faire droit par 1804 exactement malheureusement on avait pas cette vision. Écoutez même si on jodi aux États-Unis gagne plusieurs territoires tout côté. L'Angleterre était de l'autre côté, ou l'Angleterre et le Canada. Donc, Haïti a une possibilité pour le défaire. Dessalines a une possibilité pour le défaire avec l'armée indigène. Ok? Au lieu que le défaire, qu'ils allaient faire, ils ont préféré faire un sentiment anti-zami, apporter soutien à Venezuela, apporter soutien donc, à l'autre pays de l'Amérique latine. Ok? Donc, dit que nous avons une possibilité pour le défaire, malheureusement. Donc, et pas de aucune vision de ça. Donc, naturellement, c'est ce que je veux dire. Hein? Mm-hmm. Et la question de l'insécurité. Ils sont de ton côté jusqu'à ce que tu vives là. Ils sont des îles à César. Donc, si Américains, si Canadiens étaient vrais que le problème ça résout, ok, ils ont résolu déjà pratiquement. Donc, madame, monsieur, le pays. Maintenant, nous avons besoin et la force multinationale, malheureusement, tout Haïtien était compté sur force multinationale là. Mais je dis à vous, tout le monde est presque découragé. Parce que monsieur Kenya qui vient là, regardez.